et bienvenue dans cette nouvelle boîte à questions. Alors, vous connaissez le principe, les candidats ont 60 secondes, pas plus, pour présenter leur projet et vous donner envie de voter. On va découvrir tout de suite la catégorie et le candidat. Présentez-nous votre projet. Le programme de prévention à domicile, qu'est-ce que c'est ? C'est un programme d'activité physique individualisée. Il vise à améliorer les capacités physiques, susciter l'envie de pratiquer une activité, redonner confiance en soi et maintenir un lien social. En bref, agir sur les facteurs prédictifs du bien vieillir. À qui s'adresse-t-il ? Nous allons au-devant des retraités en situation de fragilité, qui se sont trouvés isolés pendant la crise sanitaire. Ils sont bénéficiaires de l'action sociale des caisses de retraite. Ils sont domiciliés sur le territoire rhône-alpin et ils ont besoin d'un coup de pouce pour garder la forme. Ces retraités sont identifiés par les structures évaluatrices qui interviennent à domicile, ainsi que par les caisses membres du groupement. En conclusion ? Si on n'est pas sportif ? Ce n'est pas un problème. Ce programme est adapté aux besoins et capacités de chacun. Il vous permettra de réinstaller de bonnes habitudes au quotidien et nous l'espérons d'y prendre goût. Plus de la moitié des participants se sentent plus à l'aise dans leurs déplacements et ont un meilleur équilibre. En conclusion, c'est un programme anti-déprime rempli d'endorphines. Nous comptons sur vous pour le faire connaître. Vous avez aimé ? N'hésitez pas à liker sur les réseaux sociaux. Quant à nous, on se retrouve pour une prochaine boîte à questions. Et puis rendez-vous bien sûr le 8 et le 9 novembre à Saint-Étienne pour le défi autonomie.